là, Lily, stop. Stop. Venez chez moi, ok. Venez ici. Oui. Oh là là. Ah non, pas de ça ici, hein. Pas de bêtises, hein. Non, mais non, elle nous vire. Oui. Il est hors de question que je donne des cours à une fille hystérique comme ça. Ah non, pas possible, j'en peux plus. Oh mais Lily Rose, comment tu fais? Mais je sais pas, c'est pas de ma faute, je comprends rien à chaque fois. Mais comment ça, c'est pas de ta faute? 0 sur 20. Non mais Peppa Pig qui va trop mal réagir, faut pas qu'il voit ça là. Ah non mais là en même temps, je sais pas comment t'as fait pour avoir 0 sur 20. La rentrée c'était il y a 2 semaines, c'est censé être l'interro la plus facile. Oui, je sais. Oh. Bon, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bah nous, comme vous pouvez le voir, on passe un super mauvais week-end. Ouais. Lily Rose, elle doit faire signer toutes les évaluations de la semaine. Voilà, on doit montrer aux parents toutes les évaluations de cette semaine. Et regardez en maths, 0 sur 20. C'est même pire que ça. À côté, le prof, il a écrit « tu vas redoubler ». Alors qu'on est qu'en septembre. Non mais, tu vas redoubler en septembre, ça veut dire que tu vas retourner dans la classe de l'année dernière, tellement t'es mauvaise. Oh non. Et en plus, on vous l'a pas montré les amis, mais en français, elle a eu 5 sur 20. Il y a que en art plastique où ça va, elle a eu 20 sur 20. Heureusement. Heureusement que t'es forte en art plastique, sinon ça serait une catastrophe, tu vas te faire virer de l'école. Et là les amis, il va falloir annoncer à Peppa Pink que Lily Rose a eu cette note là. Non mais je veux vraiment pas lui dire, je vais être punie. Non mais t'as pas révisé ou quoi? Mais si, j'ai révisé. En plus, regardez, 0 sur 20, elle a écrit plein de trucs, c'est juste mais oui, recto verso. Elle s'est trompée à chaque fois. Bon, vas-y, je vais lui annoncer. J'ai trop peur de sa réaction là. Reste là et surtout laisse-moi faire hein, parce que sinon ouais. il va t'envoyer en pension. Oh non, c'est pas possible. Moi, je veux pas aller là-bas. Au pire, je change de collège, mais je veux surtout pas retourner dans la classe de l'année dernière. Tu vas aller en pension, Lily Rose. Oh. Bon, la pension, pour ceux qui savent pas ce que c'est une école où vous restez même la nuit, vous dormez à l'école, vous revenez que le week-end, enfin bref. Ça serait catastrophique, on devrait arrêter de faire des vidéos, on devrait tout arrêter. Ah, Peppa Pink, t'es là. Justement, je venais voir Lily Rose pour signer ses évaluations. Ah bah attends, justement. Bonjour Lily, alors. Salut. Ça a été ta semaine? Ouais, ça a été, c'était génial. Oh, super, en art plastique, regarde-moi ce beau dessin. Ouais, non mais elle dessine super bien, elle a eu 20 sur 20 en art plastique, regardez. C'est bien, c'est bien. Elle sait très bien dessiner. Sinon, tes notes là, ouais, de maths. Bon, après, ouais. Un petit 5 sur 20 en français. Mais c'est 5 sur 20 en français, mais c'était une dictée. C'était une dictée, elle savait pas trop écrire les mots, elle a eu 5 sur 20, c'est pas. Ouais, bon, allez, pour une. Bon, c'est la première note. Bon, allez, c'est le temps de les maths. Les maths. Non, mais ça, c'est mes exercices à faire. Regarde, ils sont où les maths? Mais les maths, on les a perdus, hein? Ouais, non. Oh là là, les maths. Les maths. Ah, mais non, mais ça, c'est pas les vrais maths. Non, ça, c'est. C'est quoi ça? De quoi ça? Ah! Ah, ça c'est... Hein? 0? Tu vas redoubler? Après les révisions qu'on a fait ensemble? Oh non, t'exagères Lily Rose. Non mais en fait ça date de l'année dernière. Première note de l'année, 0. Et décidément, non, attends. J'ai une idée. Comment ça, une idée? On va appeler un professeur pour t'aider. Quoi? Oui. Non, surtout pas. Il va venir, le week-end. Allez, comment ça, un professeur qui vient le week-end? Non mais je veux pas. Un prof particulier pour Lily Rose? Exactement. Mais pas du tout. Non mais tu vas devenir super forte. J'ai pas besoin de prof particulier. J'ai pas besoin de prof particulier, c'est bon, je sais le faire. J'y vais. Je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un, j'y vais. Non, sérieux. Si. Mais non, fais pas ça. Si, si, Lily. Non, c'est pas ça. À tout à l'heure. C'est pas possible. Non, c'est le pire truc qui pouvait arriver. C'est pire que la pension, c'est pire que redoubler. C'est maintenant tous les week-ends, tu vas devoir travailler avec un prof qui va venir ici carrément. Oh, ça va être horrible, non mais je peux pas, faut vraiment que je m'active là. 0 sur 20. En même temps, t'as qu'à réviser. Regardez, les amis, on a tout fait. On lui a acheté des cahiers d'exercices pour qu'elle révise, pour le brevet, tout ça. Mais là, c'est bien parti pour que tu redoubles. Mais on est qu'en septembre, on peut pas savoir si je vais redoubler. Bon, écoutez les amis, je vais aller en bas, je vais essayer de le convaincre de pas appeler de prof particulier. Et toi, révise à fond tes maths, comme ça la semaine prochaine t'as au moins 2 sur 20 quoi. Ouais. Histoire d'avoir une petite évolution. C'est une catastrophe, j'ai pas réussi à convaincre Peppa Pink. Il a appelé direct un prof particulier qui devrait arriver là dans les minutes qui suivent carrément. Parce qu'il dit ouais c'est urgent, il faut qu'elle Oh non. Ça tombe, c'est le prof qui est déjà là. Parce qu'il a dit, il faut absolument qu'elle révise ce week-end. Elle va faire que réviser. Je veux qu'elle réveille jour et nuit. Je veux qu'elle ait 10 sur 20. Sinon, c'est la pension la semaine prochaine. Et
Oh là là, ah, bonjour. Bonjour monsieur. Oui, venez, venez. Je veux rentrer. Venez madame, monsieur. Lily Rose, c'est ici. Oui, oui, c'est ici Lily Rose. C'est ici Lily Rose. Apparemment, il y a monsieur Peppa Pig qui m'a appelé. Oui, 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 vous avez été appelé par Peppa Pig. Oui, attendez-moi ici. Je vous suis, je vous suis. Oui, oui, enfin suivez-moi mais pas trop vite non plus. Pourquoi? C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Ah, vu la tête de cette prof, ça va être une catastrophe. Lily Rose. Quoi? Elle est déjà arrivée. Quoi déjà? Mais ça fait même pas 10 minutes que Peppa Pig l'a appelé. Non, 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 mais il a appelé SOS prof. Quoi? SOS prof et du coup, elle est déjà là. Elle est déjà ici. Et elle veut te faire faire travailler. Elle a déjà un livre dans les mains, tout non, ça. Non, là. Oui. Oh, non, non, faut que je me cache. Peppa Pig m'a dit, je vais la faire travailler jour et nuit. Il faut que la semaine prochaine, elle ait 10 sur 20 au non, moins. Mais il faut que je me cache. Sinon, là. Il va t'envoyer en... Tu vois, elle est là. Elle est là. Attends, cache-toi. Je peux me permettre. Bonjour. Ah, c'est ici, je crois. Alors, bonjour. Elle est où, Lily Rose? Ah, bah, Lily Rose, c'est bizarre, je la vois plus. Pourquoi je me Ah, mais Lily Rose, where are you, hein? Où es-tu? Toi, tu es qui? Moi, je suis le frère de Lily Rose. Tu es le frère? Moi, je suis plus à l'école, hein. J'ai pas besoin de cours de maths, y a pas de problème. Bah, on m'a dit qu'elle était ici, Lily. Bah, Lily Rose, non, elle a disparu, bah... Ah, oh, elle est là. C'est elle, Lily Rose. Ah, bonjour! C'est pas moi. Ah. Comment ça, c'est pas toi? Y a qu'une fille, c'est toi, c'est Lily Rose. Oui, bon, écoutez, madame, le temps que Lily Rose se réveille un petit peu, parce que là, elle était en train de dormir, bon, après... Non, 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 oui, allez, venez vous présenter un petit peu. Bah, je vais vous présenter les toilettes, déjà, comme ça, vous... Allez, ça, allez. Comme ça, vous allez savoir où c'est. T'inquiète pas, Lily Rose, oui. Je suis là, tu vas devenir une forte en maths. Oui, oui, elle est pas... Non, mais oui, ah, bah, c'est... Ah, tu vas être j'en doute pas. Oui, allez, s'il vous plaît, je vais vous... Avec moi, aucun chiffre. Oui, oui, allez. Oui, allez. Aucune équation. Oui, 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 c'est bon, allez. Allez, voir les... Suite, à tout de suite. Allez voir les toilettes. Où sont les toilettes? À droite. Ça tombe bien, je vais faire pipi. Oui, voilà, c'est pour ça, aller faire pipi. Il faut qu'on trouve une solution pour la faire fuir. T'as vu comment elle a l'air horrible? Mais oui. Elle a l'air obsédée par les maths, là. Bon, allez, viens. Il faut qu'on trouve une solution pour la faire fuir. Ouais. Bon. Les amis, il faut qu'on trouve vraiment un prank à faire. Une idée de prank pour la faire fuir. Ouais. Qu'est-ce que tu peux faire? Je sais pas. Bon, écoute, j'ai une idée. T'as tes anciens cahiers? Ouais. Ils sont où? On va prendre les cahiers de l'année dernière, les amis. Ah, mais c'est parfait. Elle a une pile de cahiers. Maths, ouais. Voilà. Prends le cahier de maths et on va lui faire croire que c'est le cahier de cette année, d'accord? D'accord. Et tu la regardes. Et là, tu déchires tout devant elle. Tu fais, j'en ai marre des maths. Je veux plus jamais en entendre parler, ok? Ok. Et tu lui jettes des boulettes de papier. Tu lui dis, j'en peux plus des maths. Moi, j'en peux plus. Je peux plus voir ça, les maths. Les maths, je déteste ça. J'en peux plus. J'en ai marre des maths. Là, tu fais ça, voilà. Ça va aller. Tu fais ça comme ça, ok? Ouais, d'accord. Ok? Ouais, bah, c'est pour ça que t'as des mauvaises notes. Regardez ce qu'elle fait dans ses cahiers de maths. Elle dessine des trucs, là. Bon, allez, vas-y. Oui, allez. Vas-y, mets-toi dans le personnage là. J'en ai marre des maths. J'en ai marre des maths, j'en peux plus. J'en peux, voilà. Oh. Hey. Calmos, hein. Oui. Calmos, Carlos. Ah, madame. J'ai peur. Je me suis perdu. Ah oui, Lily Rose est là. J'en ai marre des maths. J'en ai marre. J'arrête les cahiers. Voilà, voilà vos exercices. J'en ai marre. Allez, partez de chez moi. Ouais, non, mais t'es peut-être un peu trop rapide là. Vite, continue. J'en ai marre! J'en peux plus! Regardez ce que je fais de vos cahiers là, vos exercices! Voilà! Oh là, Lily, stop! Oula, Lily Rose, stop! Stop! Vous venez chez moi, ok? Oh! Ici, venez! Oui! Oh là là! Ah non, pas de ça ici, hein! Pas de bêtises, hein! J'en ai marre! Oh non, elle nous vire! Oui! Il est hors de question que je donne des cours à une fille hystérique comme ça! Oh non, non, ne partez pas! Oh non, partez pas! Trouvez quelqu'un d'autre parce que moi j'en peux plus déjà! Non, je pourrais pas la maîtriser! Là, mais pourquoi on m'a appelé? Au revoir! C'est un scandale! C'est bon, elle est déjà partie! Je ne reviendrai plus! Elle est partie! Attends, laisse-la. Bon, c'est parfait! Bon, les amis, je pensais pas qu'elle allait partir aussi rapidement, mais toi t'étais à fond dans le jeu d'acteur! Hein. Bon, les amis, en tout cas, on a réussi notre mission! Oui. Je suis fan là! Je suis fan, on a réussi notre prank. Bon, j'étais un peu hystérique. Elle va quand même réviser ses maths parce que l'objectif c'est de gagner quand même des points. Et d'avoir quand même. Et d'avoir des bonnes notes. Bonne moyenne, on vous conseille de faire pareil. Non mais c'est quoi ça? Ah, je l'ai vu partir en courant la prof. Ah bon, bah, elle devait aller aux toilettes. Non. Elle m'a dit t'étais. C'est parce que je suis tellement forte qu'elle était choquée, du coup elle est partie. Ouais, oui, elle ça dit... c'est quoi? Bah, c'est elle, c'est la prof.
C'est la prof qui a fait ça? Oui. Regarde les papiers. Oui, mais oui, c'est la prof. Ah ouais. Bon, les amis, nous on va se laisser ici parce qu'on a des maths à réviser. Alors, allez voir une autre vidéo sur notre chaîne et quand même, regardez 2-3 vidéos, mais après, allez réviser quand même, c'est important. Ouais, allez, ciao, ciao, ciao. Vous m'avez raconté n'importe quoi, je crois.